Les Français ne supportent plus le système français de sécurité sociale. Ils ont fabriqué un système qui a tué l'économie française. Le fond politique français, c'est réellement le communisme qui est partout. Camarades ! Les gens se rendent pas compte, tant qu'ils sont sur un petit risque, que finalement la sécu, elle est fondamentale. Et que tout le monde aura un gros risque. Forcément, puisqu'on meurt. Le dernier poilu de la sécurité sociale. Un des derniers. Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans protection sociale? Ça veut dire que lorsqu'on est malade, on ne travaille pas, donc on n'a pas de salaire. Et on fait comment pour vivre? Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce qui se joue en 1946, c'est la démonstration de la capacité de pouvoir du mouvement ouvrier. Bonjour la jeunesse ! On était des travailleurs, donc la sécurité sociale, c'était pour nous. Alors on savait ce qu'on voulait pour notre bien-être. Ça, on le savait, ça. Tout à coup, les corps se sont relevés. Tout à coup, on avait le droit de vivre. Parce que la sécurité sociale, ça n'est rien que le droit de vivre. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est une histoire de la France. Quand on fait croire aux gens qu'on ne peut pas augmenter les budgets de la sécurité sociale, ou c'est une question de choix politique, c'est une question d'engagement.